Phineas Fem. La bête que je voyais semblait un léopard. Mais ses pattes étaient comme d'un ours. Et sa gueule comme la gueule d'un lion. L'une de ses têtes était comme tranchée à mort. Mais mortel s'appelait guéri. Il lui fut alors donné une course qui énonçait de hauts blasphèmes. Six cent soixante-six.
L'agneau et les âmes pures sur la montagne. Mer de verre, harpe de Dieu. Septième signe, sept anges aux sept plaies. Je vis, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 hommes portant son nom et le nom de son père écrit sur le front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix du grand tonnerre. La voix que j'entendais était comme celle des joueurs de lutte, faisant chanter leur lutte. Ils chantaient un chant nouveau devant le trône. Eux ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Ils sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel et qui tenait un évangile éternel. Il disait à grande voix,
craignez Dieu et proclamez sa gloire, car est venue l'heure de son jugement. Prosternez-vous à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources des eaux. Je vis encore un signe dans le ciel grand et admirable. Sept anges qui tenaient les sept plaies dernières, celles où s'achèvera la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image, et du nombre de son nom, debout sur cette mer, et tenant les harpes de Dieu. Et admirables sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Pouvant. Justes et véridiques tes voies, ô roi de toute nation. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car toi seul es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront à toi. J'entendis alors une grande voix hors du temple, disant aux sept anges : Allez et versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. Douloureux frappe à tous les hommes qui
portait la marque de la bête. Sa coupe sur les fleurs, les sources, les eaux, elle devint sang. Le troisième déversa sa coupe sur les fleurs, les sources, les eaux, elle devint sang. Le troisième déversa sa coupe sur les fleurs et les sources des eaux. Quatrième versa sa coupe sur le soleil. Les hommes étouffaient d'une chaleur extrême. Les hommes étouffaient d'une chaleur extrême. Versa sa coupe sur le soleil. Cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, son royaume devint ténèbres, et les hommes se mâchaient la langue de douleur et ne se repentirent pas.
de l'Orient. Le sixième, 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 le s
Thank you.
Je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. Avec elle ont forniqué les rois de la terre et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa lubricité. Et il me transporta en esprit au désert. Je vis là une femme chevauchant une bête écarlate, couverte de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue d'écarlate et de pourpre, chamarrée d'or, de pierres rares et de perles. Elle avait à la main un vase tout en or, débordant des abominations et des souillures de sa fornication. Sur son front, un nom écrit, mystère, Babylone la Grande, mère des prostitutions et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints, gorgée du sang des témoins de Jésus. La voyant, je m'étonnais d'un grand étonnement. Cataclysme 4, la 7e coupe. Et ils rassemblèrent les rois dans ce lieu qu'en hébreu on nomme Armageddon. Le 7e déversa sa coupe sur les airs. Du temple, de l'autel, sortit une voix grande qui disait : c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres. Et ce fut un grand tremblement tel que jamais n'en fut depuis que l'homme est sur la terre. Si grand était ce tremblement. Et la grande cité en trois fut déchiquetée. Et les villes des nations s'écroulèrent. Et la grande Babylone, Dieu s'en ressouvint pour l'abreuver au vase du vin furieux de sa colère. Et les îles s'enfuirent toutes. Les montagnes disparurent. Des grêlons, grands comme un talent, du ciel tombèrent sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu. Thank you.
C'est moi, Jean, qui entends et qui vois tout cela. Ayant vu, ayant entendu, je me jetais aux pieds de l'ange qui m'avait dévoilé toutes ces choses pour l'adorer. Il me dit, garde-t'en bien. Je suis serviteur comme toi, comme tes frères les prophètes, comme ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car proche est le temps. Que l'injuste encore commette l'injustice, que le souillé se souille encore, que le juste fasse encore justice, que le saint se sanctifie encore. Voici, bientôt je viens. Ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon l'œuvre qui est sienne. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Thank you.
Celui qui atteste ces choses dit : oui, bientôt je viens. Amen. Seigneur Jésus, viens. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Apocalypse de Jésus-Christ que lui a donné Dieu, afin de découvrir à ses serviteurs ce qui bientôt doit arriver. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent, car proche est le temps.